J'ai capturé le nain du Père Noël. Il n'est plus possible d'avoir des cadeaux pour cette année. J'ai gagné. Comment ça vous avez capturé le nain du Père Noël? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Oui, je suis bien sérieux. Vous n'arriverez pas à le trouver. Non bon, il faut qu'on arrive à retrouver le nain du Père Noël, c'est pas possible, sinon on va plus avoir de cadeaux pour cette année. Gros, c'est super important, en plus c'est quoi cet horrible nounours qui a pris sa place sur son trône? Mec, on va se venger, il a osé faire le malin à capturer le nain du Père Noël. Mec, il est pas prêt. Gros, par contre, avant je vais faire quelque chose, c'est que je vais manger un petit biscuit. Oh mais mec, non, concentre-toi un peu, il faut qu'on apporte de l'aide au nain du Père Noël. Nos abonnés, ils ont besoin de nous, parce que c'est nous qui allons sauver Noël, parce que s'il y a pas de nain Père Noël, il y a pas de cadeaux, s'il y a pas de cadeaux, y a pas Noël, le beau. Ah oui, absolument, c'est nous qui allons sauver Noël, je te le promets, Jean-Fils. Par contre, moi, je me demande si c'est pas un coup de Ludo, parce que regarde, il y a un des nains de Ludo qui est juste ici à droite, mais il le regarde pas trop. Oh, Nobo, regarde en haut à droite, il y a l'air d'avoir une ouverture là, une grotte, ça dit qu'on y aille. Gros, absolument, je pense qu'il faut escalader, mais regarde, je pense avoir bien réfléchi. Regarde, si on saute sur le chapeau du nounours sans se faire attraper et qu'on arrive à sauter sur le trône, il y a peut-être moyen d'y monter. Hein. Attends, attends, oh, ça glisse, son chapeau, il est chapeau glissant. Attention, oh, ok, oh, c'est bon, je suis passé. Bon. Bien vu, ok, on passe directement au niveau 2. Est-ce que tu penses qu'on va réussir cette épreuve, Nobo, ou pas? Gros, bien sûr qu'on va réussir cette épreuve. Par contre, regarde ce que faisaient les petits biscuits aux gens qui travaillaient ici juste avant. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est de l'usine à biscuits juste ici. Oh, c'est pas possible. Ah ouais? Ah ouais, je vois, ok, les petits biscuits, ils étaient méchants envers les Genesis. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, mec, je pense qu'il y a peut-être moyen de passer dans les tuyaux, non? Attends, hop, on essaye de voir s'il y a moyen de passer dans les tuyaux. Oh oui, c'est ça, mec. Gros, mais ouais, mais on est trop intelligent, mec, c'est incroyable. Et j'adore, c'est vraiment un truc de mortadélien challenge. Oh, le roi du nain du Père Noël, il est pas aussi petit, c'est quand même un gros nain, le nain du Père Noël, quand même. Ouais, c'est ça, ça pour moi, c'est les nains de Ludo. Et en plus, regarde, ils sont en alliance avec les petits biscuits. Ça fait vraiment peur, ouais, tout ça. Ouais, par contre, oh, attends, c'est quoi? C'est une machine? Une machine automatique pour avoir quoi? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Rose. Mais pourquoi tu me rends pas la face là? Mais c'est vraiment pas gentil de ta part là. On peut asperger les murs avec ce genre de choses. Attends, tu veux que je t'asperge le pet, mec? Mec, je vais surtout t'asperger la face avant. Allez, attends, je t'asperge le pet. C'est parti, hop, voilà. Oh non, mais j'ai le pet tout rose comme un babouin maintenant. Mec, plus sérieusement, il faut qu'on arrive à sauver le nain du Père Noël, sinon ça va pas le faire, mec. Oh, mec, attends. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Gros, oh! Oh! Oh, c'est bon, gros! Gros, mais t'es passé dans des caisses? Mec, c'est trop simple! T'es déjà passé par ici ou quoi? Tu connais presque tout, mec. Non, je suis jamais passé. Oh non, c'est un Deathrun. Eh, mec, je suis trop fort en Deathrun. Oh, mince, je suis tombé. C'est vraiment pas très fort. Seulement, je dis ça que je tombe comme un gnome challenge. Oh, regarde, il y a un nain qui a suffoqué dans la neige là. Il est retourné. Ouais, c'est ça, mais gros, il faut absolument pas faire le Deathrun. C'est vraiment pas comme ça qu'on réalise ce niveau. Peut-être qu'il faut trouver la clé pour ouvrir la porte, mec. C'est sûrement ça. Observe là-bas dans le coin, il y a un changement de couleur de neige. Un changement de couleur de neige? Comment ça? Moi? Ah, ici? Attends, c'est gars. Oh! Gros, c'était ça. Oh, bien vu, Nobo. Tu sais, Nobo, toi et moi, on est vraiment trop forts. Effectivement, tu sais, Jean-Fi, c'est un bonobo réuni. Ça fait une équipe hors du commun. Par contre, il y a les petits nounours en train de manger des burgers. Là, j'ai jamais vu ça, moi. J'avoue, un petit nounours. Mais attends, mais c'est pas les enfants du méchant, là? C'est les enfants du méchant qui sont en train de manger un plat. Gros, vite, échappe-toi, du coup. Attends, mais comment? Ah, il y a un tableau. Attends, comment tu... Gros, what? Oh, mais c'est trop bien. J'adore. Mais gros, c'est incroyable chez le Père Noël. Je savais vraiment pas que c'était chic comme ça de chez lui, hein, vraiment. Oh, maintenant on gagne de l'XP maintenant en créatif, c'est trop cool. Quand tu prends des checkpoints, tu gagnes de l'XP, c'est trop sympathique. Attends, ici on a le sapin du Père Noël du coup avec tous les cadeaux. Oh là là. Mec, par contre, toi t'as demandé quoi au Père Noël comme cadeau, mec? Moi personnellement, j'ai demandé un arc explosif, mais je sais pas du tout s'il va me le donner, hein. Moi, j'ai tout simplement commandé la nouvelle Switch OLED, les gars. C'est vraiment trop bien, comme ça je vais pouvoir jouer à Fortnite dans mon lit. C'est vraiment trop cool. Bon, tu sais quoi, moi personnellement, j'ouvre un cadeau et on verra bien si j'ai... Mais non, ouvre pas ton cadeau. Oh, mec, c'était l'arc. Oh. C'était l'arc, oh, que t'avais demandé. Je voulais. Trop bien. Et regarde, il y a une cible juste ici là, mec. Bon, oh, vas-y, c'est sûrement fait exprès. L'arc à flèche, hein. Attention. Oh. T'as entendu, il y a eu un bruit bizarre. Oh, mais regarde. En vrai, Nobo, ce qui se passe, c'est vraiment sympathique, de la sympathitude challenge. Et c'est très mortadélien d'amortadelle. T'as fermé le truc? Oh, par contre, ça s'est fermé. Oui, attends, par contre, je vais juste boire une petite bière ici. Allez, mais non, reviens vite, Nobo va se remettre. T'es sérieux, Nobo? Ben oui. On aura tout le temps pour boire après avoir sauvé le nain du Père Noël, Nobo. Sérieusement. Effectivement, par contre, ici, on est dans le fast-food des nains du Père Noël directement. Regarde, mais qu'est-ce que fait une banane sur une corde juste ici, Nobo? Gros, une bizarre.
banane qui jette des poissons dans le vide. Là, ça fait très peur. Gros, regarde, en fait, c'est le roi de la banane. Regarde, il y a un château, le roi de la banane. Bah oui, effectivement, moi j'ai entendu parler que les nains raffolaient des bananes. Donc ils par contre, partout. Attends, on est distrait là, on est distrait, on perd du temps. Il faut qu'on arrive à sauver le nain du Père Noël. Mais avant toute chose, les gars, dites-moi c'est quoi votre cadeau que vous rêvez pour Noël dans l'espace des commentaires. Ça serait sympathique. Peut-être que je vais exaucer le vœu de certaines personnes. De toute façon, on va sauver le nain du Père Noël. L'usine, la fabrique des cadeaux va continuer de fonctionner malgré qu'elle soit arrêtée pour le moment. Nobo et moi, on va s'occuper du sale travail. Et regarde, Jean-Fils, pendant que tu parlais, j'ai pu observer quelque chose de spécial. Regarde là-bas en haut, il y a un panneau qui a pas du tout l'air d'être normal. C'est pas normal, ça, c'est pas normal de la normalitude challenge. Oh, attends. Gros, attends. Hop, oh, j'ai sauté sur une fleur. Okay, ah oui, là, passe. La fleur. Attention, ma. Gros, j'ai vraiment peur. Imagine, il y a un méchant monstre derrière ou quoi. Bon, non, c'est sûr, il y a pas de méchant monstre. Oh, bien vu. Voilà, ça c'est beau, c'est propre. De la prophétitude challenge. Nous avons un énorme sapin de Noël. D'ailleurs, Nobo, tu vas faire quand ton sapin de Noël, toi? Gros, moi ici, je pense que dans quelques jours. En fait, moi je le fais pour le 1er décembre. Chaque année, 1er décembre, c'est mon sapin de Noël. Ah, d'accord. Moi c'est Blandine qui va s'en occuper. Elle a dit qu'elle allait tranquillement faire ça. Elle allait même faire une vidéo pour sa chaîne YouTube. Bon, en tout cas, ça va être un truc de fou parce que ça va être le premier sapin de Noël que je connaisse de toute ma vie. Oh, il y a un bouton, bien vu. Gros. T'as entendu le bruit qu'il y a eu, mec? Oh, je suis tombé. Mais quoi, t'es tombé dans un buisson? Attends, mais t'es où là? Je suis tombé, mais c'est le niveau suivant, t'inquiète, tu peux descendre, mec. Ok, et moi, tu sais quoi? Moi, en parlant de Noël, cette année, je vais faire un sapin à 1€ vs 1000€ vs 1 million d'euros. Mec, t'es sérieux, mec? T'as 1 million d'euros pour faire ce genre de vidéo? C'est vraiment trop riche, en fait, mec. Et bien sûr, je suis youtubeur, l'oublie pas. Oh non, je suis obligé de lui faire un bisou. Je suis obligé. Oh non, c'est la larve. Non, arrête de faire des bisous à la larve. Sinon, tu vas te reproduire avec et il va avoir plein de bébés. Gros, imagine un mélange entre un bonobo et une larve, ça doit être trop beau. Ah non, ça doit être trop moche en vrai. Attention, juste ici, nous avons une petite maison gelée de la gélance challenge. Gros, je viens de monter sur le toit de la maison gelée là. Ah, tu viens de la monter dessus? Est-ce que je peux sauter là-dessus? Ouais, je peux sauter là-dessus. Hop, et je pense que ça doit être derrière l'horloge. J'ai l'habitude de. Oh, t'es tombé, t'es trop nul. Oh, what? T'es vraiment un bonobo. Toi, Nobo, ouais. Eh, je suis pas un bonobo. Enfin, si, en fait, je suis un trop bonobo. Mais en fait, je sais pas si moi je suis le bonobo le singe ou bonobo parce que je suis trop beau. Non, t'es pas beau du tout, en fait, Nobo. Mais bon, c'est bon, t'es mon ami, donc je t'accepte comme tu es. Oh, les guirlandes! Cette map, elle est vraiment trop belle. Merci X2Void d'avoir créé cette map. J'adore. Gros, j'ai trouvé ta maison dans un coin de la pièce ici. Comment ça, ma maison? Mais attends, vas-y, viens, on fait le détrône là. Arrête de perdre du temps, Nobo. T'es sérieux, mec? Mais gros, je te jure. Que j'ai ta maison en main, mais j'ai pas t'en dire plus. Hein. Comment ça t'as ma maison? Explique-moi, mec. J'aimerais bien savoir. Et comprendre. Gros, j'ai un carton. Ouais, t'as cru que moi je dormais dans un carton, c'est ça? T'as cru que ma maison c'était un carton? T'es sérieux? Gros, l'autre fois quand tu m'as invité chez toi, tu dormais dans un carton et tu mangeais du carton. Hé, hey, what? Oh, t'as mis un carton sur la garde? Mais pourquoi? Ouais, tu fais gros, ça je. Bah je sais pas, pour passer de l'autre côté. T'en vas réessayer parce que je comprends pas. Tu dis que t'as ma maison entre tes mains, mais c'est pas possible. Ma maison, bah j'habite dedans. Il est fou lui. Ah oui, c'est là. Ah oui, bien vu. Eh mec, t'es ça, vraiment trop fort là, mais c'est où? Mais attends, je vois rien moi. Là, regarde, juste là. Oh, bon Nobo, attends, mais j'habite trop bon. Oh, trop bien. Nobo, avant toute chose, j'aimerais bien te faire un petit bisou parce que moi, voilà, t'es mon ami, je t'aime, tu vois. Je te fais un petit bisou sur la bouche, j'adore, tu vois. J'espère que tu kiffes toi aussi. Bah vraiment, j'adore les bisous sur la bouche, c'est vraiment quelque chose qui m'émoustille. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a des portes. Attends, il y a quoi derrière ces portes, gros? Attends, gros, il y a un mobi pour ma part, hein, qui tient des cadeaux en main. Il y a les gnomes du nain du Père Noël qui sont là, mais ils sont petits. Moi, je veux voir le vrai nain du Père Noël, mec. Attends. Attends, je suis. Oh! Gros! Regarde! Gros, mais t'es passé à travers le plafond, sombre là! Non, c'est ce qu'il faut faire, gros. On peut traverser à travers le plafond. Gros, c'est incroyable. Je suis vraiment le plus fort en escape game avec toi, mais c'est vraiment incroyable. Heureusement qu'on n'a pas invité Ludo le gros nain. Déjà, il aurait fait copain-copain avec tous les gros nains qu'on a vus. Et il n'aurait pas voulu aider le gros nain parce que c'est lui le chef, Ludo. Lui, il aime bien être le chef. C'est ça, et puis c'est tellement compliqué de s'échapper d'ici qu'il serait resté coincé avec son gros ventre dans une entrée, c'est sûr. C'est vrai, j'avais oublié de préciser. Attention, on a un death run de lampadaire. Juste là, j'espère que c'est ça qu'il faut faire. J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a un... attention parce que ça. Oh oui, c'est ça. Côté. Mec, j'ai un pistolet, regarde. Gros, je suis tombé tout en bas, je me suis cassé les pattes, on peut le dire. Cassé les pattes, attends, pourquoi il y a un cadeau là, mec? Attends, il faut danser. Pourquoi il y a un bouton de l'autre côté? Oh non, mais comment on va faire pour passer de l'autre côté? Attends, on peut demander de l'aide là. Il y a un PNJ. C'est qui lui? Ah, il montre avec son doigt le bouton. Oh, c'était ça, gros. Oh.
mais bonjour madame, comment ça va? C'est une madame, t'es sûr? Bonjour madame. Bah oui, c'est une madame. Moi, oui, je suis un homme célibataire. Nobo, Nobo, n'en profite pas pour la draguer, t'es sérieux? T'as une copine, Nobo? Oui, c'est vrai, j'ai une copine. Oh, oh non, 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 je sais pas résister à la tentation. Oh, tu vas faire de la muscu, c'est ça? Gros, t'abuses, gros. Avec ton accident de voiture, tu peux plus te faire de la musculation. Tu sais très bien, ça va casser ton dos, mec. Ah oui, c'est vrai, mon dos est déjà cassé en mille morceaux. Oh, regarde ce qu'il a, le bonhomme de neige sur sa main. Mec, il a une de ses mains énorme de la mortadella, ce challenge, mec. Attention, y'a quoi derrière ici? Oh, gros, y'a un transforme accessoire, mec! Comme par hasard! Un transforme accessoire? Attends, ça veut dire qu'on doit se transformer en quelque chose ici, mec! Bro, moi j'ai envie de me transformer en Midas. Toi, t'as envie de te transformer en quoi, gros? Moi, j'ai envie de me transformer en nez. En chatte? Ah, mais non, je suis mais juste... parce qu'il y avait une chatte. Ah, tu veux que je me transforme en chatte? Attends, je me Non, mais c'est parce qu'il y avait une chatte sur la table. Nobo. Ah, c'est bon, tu t'es transformé en chatte, magnifique! Attends, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ou un verre? Ou tu veux un verre peut-être? Un verre Nobo de poisson? Oh, c'est là, c'est bon! Gros, tu dois passer à travers la fenêtre, gros. Mais gros, la fenêtre est fermée, j'arrive pas à y passer. Ah oui, mais peut-être là, dans le coin. Ok, ouais, oh, exactement. C'est ça. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué? Gros, je suis bloqué. T'es bloqué? Comment ça se fait, Nebo? Ah non, c'est bon. Bien c'est vu. Bon, je suis passé. Mec, on est déjà au niveau 14, gros. Tu penses qu'on va bientôt voir le nain du Père Noël ou pas, mec? Gros, moi, je pense que ça... Parce que ça commence à sentir très, très mauvais. Donc, il paraît que les nains du Père Noël sentent très mauvais. Donc, je pense qu'on commence à se rapprocher. Parce que moi, ce que je trouve bizarre, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, le sapin, il devient de plus en plus grand, mec. Ça veut dire qu'on se rapproche du nain du Père Noël, c'est sûr et certain. Eh oui, c'est vrai. Oh non, encore un nain Ludo là-bas qui est en train de prospérer là au-dessus. Ouais, je suis sûr, Ludo. C'est... Mec, t'imagines? Imagine, c'est Ludo qui a demandé au nounours de début de la vidéo de le tuer, enfin de le kidnapper. En fait, le méchant c'est Ludo, imagine, mec, depuis le début. Mais moi je suis sûr que c'est Ludo parce que tu sais qu'il adore les cadeaux et à mon avis il a sûrement participé à ce vol. Ah ouais, ah ouais, Ludo il a l'habitude de voler ma carte bleue pour s'acheter tous les passes de combat de Fortnite, c'est sûr, lui il voulait les cadeaux du Père Noël et rien que pour lui tout seul, c'est sûr et certain, c'est vraiment un rapia, Ludo. Ouais, c'est clair, en plus l'autre fois je l'ai entendu dire qu'il détestait le Père Noël et qu'il voulait pas de ses cadeaux, donc... Ah bon Oh là là, le malade mental, c'est sûr et certain, c'est de sa faute toute cette histoire. Attention. Gros, tu vas où là par contre? Attends, j'ai glissé tout en bas, mec. Ça fait un peu peur. Hein. Ok, attends, mec, j'ai besoin de toi parce que j'ai entendu des bruits de loups-garous, j'ai l'impression. Mec, je sais pas, j'en suis pas sûr. Je sais pas vraiment si c'était des loups-garous, mais je préfère. Attends, mais ça y est ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais gros, je suis trop gros. Mais gros, des loups-garous, c'est impossible. Tu sais très bien que ça n'existe pas, Jean-Fils. Mais je sais pas, on est quand même sur Fortnite, mec. Et dans Fortnite, tout est possible. Mec, attends, mais gros... attends, c'est quoi ça? Un loup-garou! Un loup-garou? Oh oui, il y a des loups-garous, mec! C'est quoi ça? Attends, j'ai. Gros, j'ai vraiment trop peur! Vas-y, défends-moi, je t'en supplie, Jean-Fils! Bah attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut. On a un arc! Aide-moi, Nobo! T'es sérieux de ne pas m'aider, mec? Il faut réussir à tuer les loups-garous, mec! Mais gros, mais attends, mais si ça tombe, en fait, depuis le début, bah. En fait, Père Noël, il fait pas avec des rennes et c'est des loups à la place des rennes! Nobo, attends, j'ai eu quelque chose dans mon inventaire en tuant un loup! Qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu ça. What? Moi? Mais gros, mais t'es sérieux à mettre ça chez le Père Noël? Mais je casse ça tout de suite. Mais non, je peux mais non, pas mais le casser, casse pas, gros, puissant. Regarde. Ça sert à tuer les loups. Regarde, t'as vu ça ou quoi? Hop. Non, mais moi je t'oblige à les retirer. Tu peux pas construire ça chez le Père Noël. Non, mais c'est bon, ok, tu veux pas? Bah vas-y, on va le casser. Ouais, on construit pas ce genre de choses chez le Père Noël, tu comprends ça? What? Attends, what? Oh, gros, on a what? Réussi. Oh, c'est bon, Nobo, regarde, on a trouvé le nain du Père Noël, il est juste là. Merci, ça fait plaisir. Maintenant, on va pouvoir avoir plein de cadeaux pour Noël. Moi et Nobo, on a réussi à sauver Noël. Et rien que pour ça, vous êtes tous obligés de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore abonné. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo qui, je suis sûr, va te faire kiffer. Clique juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour en parler, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.